La jalousie du barbouillé, scène numéro 6. Alors là maintenant, c'est mon personnage, il parle avec la vallée. La vallée? Quelle vallée encore? Oh non, la vallée c'est le nom d'un valet. Mmh. En fait on pense que Molière donnait ce rôle à son régisseur, parce qu'à l'époque... Non mais je me fous complètement du régisseur, ici. C'est toi qui sers le régisseur? C'est toi qui sers le régisseur, n'est-ce pas? Oui. Bon, eh ben, t'as qu'à le faire, j'ai la caméra. Il a déjà servi des deux côtés. Fais-en une jupe. Mais non, on dit la vallée, mais c'est un homme. Fais-en un écossais. Un écossais? Cela ne peut se différer. Mais si vous tardez un quart d'heure, la balle sera finie. Et vous n'aurez pas la bien d'y voir celle que vous aimez. Si vous ne venez tout présentement. Allons-y ensemble de ce pas. Comment je fais pour aller ensemble? Je dis allons ensemble. Ah, attendez, en Angélique rentre au logis. Et toute la scène suivante se passe devant la maison des barbouillés. Mais comment on va faire sur la boîte décor? Waouh! Et voilà, Quentin, un grand producteur investi au service de l'art. 8 mètres de toile, 6 pots de peinture, 14 pinceaux et 3 mitaines. Waouh! Génial! Bon, bah, allons-y. Scène 9, la nuit devant la maison des barbouillés. Et voilà ta porte. Mais faut qu'elle pivote. Comment on va faire pour pivoter? Il n'y a pas de gond. Devine. Ah, moi, je vois bien quelqu'un qui a une bonne tête de con. Allons, ma fille, embrassez votre mari et soyez bons amis. On n'a plus de pellicule. Oh non, c'est pas vrai. T'as pas filmé ça. À plaisir, mais tu ne peux pas tout à la fois avoir les autres et moi.